Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre une chanson que tout bon guitariste se doit de connaître. Les portes du pénitencier de Johnny Hallyday, qui l'a reprise du groupe The Animals. La chanson originale se nomme House of the Rising Sun. Je vous montre ça dès maintenant. Alors, habituellement, je commence par vous montrer le rythme. Cette fois-ci, je commence avec les accords, OK? Et on va se faire un petit rafraîchissement de quelle note quelle corde il faut piquer dans chaque accord, OK? La chanson commence avec un La mineur. On pique les 5 cordes et pas la grosse. On ne touche pas à la grosse. Sur le Do, même chose. On ne touche pas à la grosse, s'il vous plaît. Ensuite, on va avoir un Ré. Ré majeur. On ne touche pas à la grosse ni à la cinquième. On ne touche qu'à les 4 dernières. Et on va faire un Fa majeur, peut-être un petit peu spécial. On va faire avec notre troisième doigt. On va venir à la troisième frette de la quatrième corde. Ensuite, avec le majeur à la deuxième frette de la troisième corde, la corde de Sol. Et notre index va barrer les deux petites cordes à la première frette. C'est ce qui nous donne un Fa majeur. Et on va avoir un Mi majeur. Et là, ici, on touche toutes les cordes. Sur le Fa, on ne touche que les 4 plus petites, d'accord? Et ça va être très important parce que pour respecter le picking exact, si légendaire, que tout le monde reconnaît, va falloir toucher la note la plus basse de chaque accord en premier et par la suite donner le petit swing que tout le monde reconnaît. Donc, pour le rythme, on va prendre le La mineur comme exemple. Toujours, à chaque accord, on va piquer la note basse en premier. Alors, on commence par piquer la cinquième corde à vide. Et par la suite, on a le petit swing qui est si reconnaissable. Donc, ce qu'on va faire, on va carrément laisser tomber notre pic. On fait comme un peu si on grattait un accord, mais en arpège, OK? Donc, ce que je vous suggère pour juste pratiquer ce petit swing-là, c'est de bien regarder votre main qui pique et de... Il faut vraiment que ça soit un seul mouvement. Il ne faut pas faire 1, 2, 3. Il ne faut pas vouloir les piquer individuellement, OK? C'est très important. Il faut laisser aller notre main. Donc, d'accord? Donc, vous pouvez pratiquer ça en isolement juste. Vous voyez que ma main descend d'un coup. Je ne fais pas. D'accord? Donc, comme ceci. Par la suite, on va piquer la petite corde par en haut. Donc, depuis le début, on pique la grosse, en fait pas la grosse, la cinquième, la note basse de l'accord. Les trois notes en un seul mouvement. La petite corde par en haut. La deuxième corde par en haut. Et la troisième corde par en haut. Donc ça, c'est le rythme sur un accord. On va répéter ce rythme-là sur tous les accords en changeant la note basse. Donc, après le La, on a un Do. Do, on va piquer. Même chose, la cinquième corde, le petit swing. O, O, O. Ensuite, sur le Ré, on va piquer la quatrième corde en premier. Et là, comme il va, en quelque sorte, il va nous manquer une corde en bas, OK? On va piquer deux fois de fil la petite corde. Donc, la quatrième à vide, notre swing sur les trois cordes. On repique par en haut la petite corde, deuxième par en haut, troisième par en haut.
comme ceci. On va faire la même chose sur notre Fa majeur. Donc, depuis le début, on a notre La mineur. Do. Ré. Fa. La mineur ensuite, encore une fois. On va faire ensuite un Mi mineur. Là, on va piquer la grosse. On va passer une corde et on va faire le petit swing encore une fois sur nos trois cordes ici. Et le reste est pareil. Oh, 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 comme ceci. N'oubliez pas qu'entre la grosse et le swing, on ne touche pas à la cinquième corde, OK? Comme ceci. Donc, depuis le début, on a notre La mineur. Do. Ré. Fa. La. Mineur. Mi majeur. On revient au La. Et on revient au Mi. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est l'introduction. Comme ceci. Par la suite, Johnny commence à chanter et ça va varier un petit peu sur les accords. Ok, la première partie va comme suit. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Donc ça, c'est la première moitié du couplet. Ok. La, Do, Mi, Mi. Donc on a La, Do, Ré, Fa, La, Do, Mi, Mi. D'accord? Pour la deuxième moitié du couplet, ça va être La, Do, Ré, Fa, La, Mi, La. Mi, exactement comme l'intro, d'accord? Et cette séquence, ces deux séquences d'accords-là, ces deux variations de séquences d'accords-là, mais que de mots pour dire simplement cela, ces deux variations-là vont se poursuivre tout au long de la chanson. Et pour ceux qui aimeraient mieux la faire en strumming, vous pouvez faire quelque chose dans ce genre. Comme toujours, quand c'est du strumming, vous faites pas mal celui que vous voulez. Et c'est ce qui complète notre tutoriel. Et voilà, à partir de maintenant, à partir de là, là, vous n'avez plus aucune raison de ne pas jouer cette chanson-là à votre oncle de 83 ans qui vous demande « Joue-moi la chanson de Johnny! » OK, vous allez pouvoir lui jouer. Donc, comme toujours, merci d'avoir été avec moi pour ce tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne parce que pour me regarder les cheveux, il faut s'abonner. C'est obligatoire. Allez faire un tour sur mon école en ligne www.jejoulaguitare.com. Laissez-moi un thumbs up si vous avez apprécié et également un commentaire si ça vous tente. À la prochaine!